bien. Enchanté. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte cette veste de Paco Rabanne, la jupe de Another Stories, je pense, et les bottes de Jonag. Et le sac de... Qu'est-ce que c'est le thème de votre look aujourd'hui? En vrai, je ne sais pas vraiment. J'ai juste mis quelques habits comme ça. Cela avant de sortir, j'ai pas forcément choisi de thème, j'avais envie de me mettre une jupe avec les bottes. Très bien, et votre sac? C'est Chloé. Ah d'accord. Et puis votre chien? Ouais. Alors venez, viens. Comment il s'appelle? Il s'appelle Léo. Il a quel âge? Il a 1 an. Pourquoi vous avez choisi Toy Poodle? Parce que adorables, ils perdent pas de poils, ils sont trop intelligents et ils sont trop bien. Ils sont très populaires au Japon aussi. Ah oui? Ouais. En Italie aussi. Comment vous avez rencontré? Comment j'ai trouvé? Oui. J'ai cherché beaucoup d'élevage. Beaucoup d'élevage? Ouais. Il y a quelques histoires, bêtises, quelque chose? Non, il est vraiment adorable. Juste lundi dernier, il a fait une petite réaction au vaccin, il a tout gonflé. Mais sinon, Léon, garçon. Oui, c'est un garçon. Léon, viens. Il est un peu timide. Et votre... La laisse? Laisse? Oui, je l'ai pris chez... C'est une boutique, c'est un concept store pour chiens. Ça, oui. Ça s'appelle Barkers and Brothers. C'est dans le 18e. Ça, c'est très chic. Oui, c'est très joli, j'aime bien. J'ai fraîché. Donc, son best, vous avez acheté veste, la même... La veste, c'est BHV. Ah, BHV, d'accord. Il s'appelle Dog Story. Qu'est-ce qu'il aime de manger? Seulement croquettes, hein. C'est le pâté avec les croquettes. Il adore les patates douces. Il adore d'autres. Il mange la nourriture de les gens? Non, j'essaie de faire un peu plus équilibré. J'essaie encore de trouver un petit peu ce qu'il aime bien. Mais il mange des courgettes aussi. Ouais. Courgettes? Ouais. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire après aujourd'hui? On va manger au parc, au parc, n'importe quoi, au marché des enfants rouges. Ah d'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Charlotte. Charlotte, enchantée. Voilà. Enchantée. Et qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je suis journaliste. Ah d'accord. Spécialisée dans l'intelligence artificielle et la tech. Il est très mignon. Hey, comment il s'appelle? Pixel. C'est un Beagle Lemon. Beagle, c'est le nom de la race. Ah d'accord. Et Lemon, c'est parce qu'il a que deux couleurs. Normalement, les Beagles, ils ont du noir aussi. Mm-hmm. Et lui, il est que jaune et blanc. D'accord. Enfin, il a quel âge? Il a 4 ans. 4 ans. Il va avoir 5 bientôt. Mais pourquoi vous avez choisi Beagle? C'est lui qui l'a choisi. Quelle raison? Je crois qu'il le trouvait très beau et qu'il a craqué. Parce que c'est pas facile à élever. D'accord. Mais il est très très gentil. Ah oui? C'est du plus gentil. Il n'y a pas d'épisode bêtise, quelque chose? Ah si, les deux premières années, il a mangé tout l'appart. Toutes mes BD, tous mes mangas, tous mes vinyles. Il a mangé? Ouais. Non, c'est pas vrai. Mes micros, la catastrophe. Et là maintenant, depuis qu'il a 3 ans, il est devenu calme. Et... Ah d'accord. Mais avant, c'était un petit monstre avant. Un petit monstre. Voilà, Pixel. C'est des chiens adorables, mais ils n'ont pas beaucoup de rappels. Ils répondent pas. D'accord. Et puis, je voudrais connaître aussi votre look aujourd'hui. Ah, j'ai froid. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Oh bah, quelle marque? Ça, c'est Uniqlo. Ah, Uniqlo de marque japonais. Oui, voilà. Ça, c'est Bash. Bash, d'accord. Voilà, et ça, aucune idée. Aucune idée. Ça, c'est quoi? C'est comptoir des cotonniers. Oui, j'aime bien ça. Comptoir ça, des cotonniers. C'est cuir. Oui. Très bien. Je ne suis pas très, très habillée aujourd'hui. Non, ça va. Et avec bonnet. C'est la mode maintenant oui, à Paris, crois, n'est-ce pas? Ouais. Avec bonnet. Super, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Avec, comment ils s'appellent? Allez, fille, regarde-moi. Voilà, stop. Très bien comme ça. Il est très mignon. Ah, alors, oui. Donc, alors, il a quel âge? Donc, 3 ans et demi. Trois ans et demi.
quelle race de chien comme ça? Un Lakeland Terrier. Lakeland Terrier. Pourquoi vous avez choisi Parce que je connaissais des gens qui en avaient un et qui étaient très mignons. Et donc, j'ai choisi... C'est mon premier chien. Premier chien. Avant, d'accord. J'avais des chats. Et c'est très différent. Ah oui, oui, je crois, c'est très différent. Il n'y a pas de difficultés. Si, il est terrible parce qu'il... pas avec moi, mais il attrape les pantalons des passants. Ah, parfois, oui. Il fait des tas de choses comme beaucoup de terriers. Oui. Parce que c'est un terrier. Un peu têtu. Voilà, très têtu. Alfie, viens Alfie, viens. Voilà, très bien. Assis. Oh, il est très sage. Hein. Comment vous avez rencontré? J'ai chez une dame qui en faisait l'élevage. D'accord. Qui était dans, pas à Paris, hein, dans, en Champagne. À Champagne, dans la région, oui, de Champagne, au Champagne. Oui. Et je l'ai pris, j'étais sur une liste d'attente. Ah oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. De, oui. C'est le chien origine Angleterre, peut-être? Oui, il est originaire d'Angleterre, entre l'Angleterre et l'Écosse. Mmh. Et à l'origine, il est fait pour la chasse aux renards. Ah oui. Mais bon. Pas Paris. Là, il n'est pas content parce qu'il a sa queue qui est rabaissée. Il se dit, bon, il y en a assez. Il mange de la nourriture un peu humaine aussi. Seulement croquettes. Ah, c'est mieux. Et voilà. Puis, je voudrais connaître aussi votre look aujourd'hui. Votre tenue. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Oui, quelle marque vous avez de porter aujourd'hui? La jupe est Agnès B. Jacket. La veste, c'est Scapa, ça s'appelle. C'est une boutique dans le quartier. D'accord. Et ça, c'est un... Ça me va très bien. Hein. Merci, c'est gentil. De Bompard. C'est des cachemires. Ah, Bompard. Oui. Voilà, oui. Très voilà, bien. Vous savez tout maintenant. Et le sac? Ah, le sac, il vient d'Écosse. Ça, c'est... Aristide. Aristide, j'aime bien, oui. Ça. J'aime bien, c'est très traditionnel. Voilà, oui. Ok, oui. Très bien. Merci beaucoup, bon, madame. C'est très gentil. Bon promenade. Encore, merci. C'est Eva. Et lui? Amalfi. Amalfi. Amalfi, comme la côte italienne. Comme la côte italienne, oui, je sais. Oui. Et quelle race comme ça, le chien? C'est une petite laverie italienne. Il est froid. Oui, Amalfi. Bonjour. Donc, comment vous avez rencontré lui? Ah, il est mal? Oui, il d'accord. Est mal. Et comment vous avez... Il a 7 ans. 7 ans, déjà 7 ans. Ah, oui. C'est pas une petite chien, c'est une petite, mais il a déjà une certaine âge. Ah, oui. Comment... Et on a acheté en Hongrie. Hongrie, d'accord, oui. D'accord. Pourquoi vous avez choisi... C'est France. Ce sont mes enfants qui l'ont choisi. Ah oui, d'accord. On a trouvé particulièrement beau, particulièrement très fine, beau. Très élégant. Oui, très élégant. Oui. On peut trouver dans la peinture classique, n'est-ce oui, pas? Oui, tout à fait, vous avez raison. Merci beaucoup, merci madame. Merci aussi. Merci, s'il vous plaît. Clémentine. Enchantée. Enchantée. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je travaille dans le spectacle. Spectacle, d'accord. Ouais. Donc, vous êtes comédienne? Non, je suis derrière, je suis en production. Ah, d'accord. Alors, je voudrais connaître aussi votre look aujourd'hui. Mon look aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? C'est très... Un pantalon que j'ai acheté en friperie. Ça, c'est? Ça, c'est des paladins. Paladins. Et après, c'est du tout simple. Uniqlo. Uniqlo. APC. Et puis Jackie, c'est quelle race le chien comme ça? C'est un mélange entre Jack Russell et les Teckels. Jack Russell et Teckels. Ouais. Il est très mignon. Et il... Très unique. C'est comment son caractère? Il est speed.
félicité. Et il est gentil, il est tout gentil. Il est gentil aussi. Ouais, il est adorable. Il a quel âge? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Comment vous avez trouvé? On est allé dans une animalerie. Animalerie. Juste avant qu'elle ferme. À Paris? Ouais. Ah oui. Et après, elle a fermé. Donc, tu as chance. Il n'y a pas d'histoire bêtise, quelque chose. Oh, il en fait. Là maintenant, il est comme il a 6 ans, il en fait moins, mais quand il était petit, il s'enfuyait beaucoup. Il s'enfuyait? Par la fenêtre de la voiture. Il l'a fait, ça déjà. C'est dangereux. Oui, mais là ça va. Maintenant, il est calme. Ouais, ah, ça a été moins de bêtises. Ça, c'est bien. C'est bien. Ouais. Normalement, vous travaillez dans quel quartier? En ce moment, je travaille à Boulogne. Boulogne. Boulogne, ouais. À la scène musicale. Mm-hmm. C'est une grande salle de spectacle. Donc vous allez à Boulogne, ouais. Avec? Non, je le redépose à la maison et après j'y vais. Viens pas avec moi. Dommage. Ouais. Dommage, Jackie. Merci beaucoup. Sans. Merci, c'est gentil. Passez une bonne journée.